en frappant de nouveau la France, cette fois-ci avec une sauvagerie sans précédent. Les assassins ont voulu punir un pays engagé dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi attaquer les valeurs fondamentales qui sont à la base de nos démocraties. En visant des restaurants, un concert de rock, un match de football, ils ont cherché aussi à porter atteinte à notre vivre ensemble, à notre être ensemble, dans la joie de plaisir partagé où les barrières n'existent plus. Plus que jamais, nous avons besoin de redonner du sens au message de liberté, égalité, fraternité. Plus que jamais, nous devons défendre la portée universelle de ce message par l'action collective dans et hors de nos frontières. Plus que jamais, nous avons besoin de nous rassembler face à ceux qui cherchent, en suscitant la peur et la haine, à nous dresser les uns contre les autres. C'est notre responsabilité individuelle et collective de ne pas céder. Nous le devons à ces victimes, en hommage desquelles je vous invite à observer une minute de silence. Qui utilisent peut-être la caille ou bien d'autres façons. Donc faut tout le monde être vigilant. Il faut nous connaître que après le terrorisme, il y a qu'à frapper n'importe qui bon, n'importe où, pour faire passer des revendications. Mais de toute façon, ben, c'est faire comme ça, c'est vraiment pas la bonne chose. C'est pas le bon moyen. Donc nous devons là nous-mêmes pour nous témoigner de solidarité. Hein, solidarité Haïti envers nos frères et sœurs de la France. La question de sécurité en Haïti est prise en compte. Il faut me dire que depuis, lors de ma visite, même avec le président Obama, on en parle. Parce que justement, leur grand pays, côté qu'on a un contrôle frontière ou un contrôle espace aérien, côté qu'on a un corps de police, un corps jeune, mais qui a besoin plus d'accompagnement et plus d'autres institutions qui peuvent gérer la sécurité. Donc nous gardons que nous continuons de travailler dans ce sens, c'est pour ça que c'est important tout, pour nous mettre sous pied force de défense ça. Et que pour Haïtiens, tout prend travail au sérieux, parce que le pire dans tout ça, c'est que des fois, il y a des gens qui sont dans des bureaux et puis qui va prendre le travail qu'il a fait au sérieux. Et dans ce sens, on a profité de saluer tout effort que la police haïtienne fait, parce que nous-mêmes, nous avons des cas, des quelques cas en Haïti, que ce soit de kidnapping encore. Je crois que c'est vous, si nous arrivons à résoudre tout cas ça. Donc c'est un gros pas en avant que la police haïtienne a fait, mais l'ordre et l'insécurité à un niveau que lié à travers le monde, je dis, nous avons des efforts sérieux pour nous faire, pour nous chuter, pour nous réfléchir, pour nous accueillir une privatisation. Avec Barbaza qui passe en France, son trêve, je dis, nous ne sommes pas parés pour nous parler de l'élection là. Nous avons un manoir de lauriers justement. La France que Haïti ensemble avec. Deuil que la qu'on est aujourd'hui. Hein. Nous venons là pour nous dire que vivre ensemble, son métier que les, c'est ça nous-mêmes nous avons prêché pendant toute la campagne. Nous. Mais nous parlons là pour nous parler de l'élection aujourd'hui. Français, nous ensemble avec eux. Nous ensemble avec eux aujourd'hui hein, pour nous dire que Haïti avec eux. Que le parti politique que moi, candidat sur lui, PHTK avec eux et Jovenel Moïse avec eux.